Alors. Tac. Voilà. Et là, normalement. Ah ouais, mais. Ah, j'ai pas mis la webcam. Ah, le joli chant africain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis pas pressé. Parce qu'honnêtement, j'aurais pu démarrer il y a une heure plus tôt. Mais baba cool. On n'est pas là pour courir. Donc voilà, finalement 9h30. Et je sais plus du tout ce que je faisais. Mais alors quand je dis plus du tout, ma mémoire a été effacée. Ah, j'essaie de récupérer les postes de contrôle, là où il y a les cadenas. Oh. Oh mon dieu, je ne sais plus jouer. Ça fait 15 jours. J'y vais à pied parce que la jungle est belle. Et avec ça, ils me repéreront pas. Et il fait chaud, hein, j'ai déjà le cerveau à moitié fondu. Je sollicite votre indulgence. Non mais sérieux, il est 9h30, j'ai déjà 27 chez moi. J'ai oublié d'ouvrir de nuit, donc j'ai gardé la chaleur de la journée précédente, ce qui est tout sauf malin. Ah mon dieu. Oh non, c'est de l'autre côté de la formation rocheuse. Oh, il va falloir que je me coltine la rivière, non. C'est bête, mais ce passage-là, je me souviens même pas. Entre les rochers. J'ai pas de... Ah merde, j'ai pas pris de lunettes. C'est quoi là-bas? Apparemment, il y a l'air d'avoir... Ah, mais c'était les cerfs. Mais oui, la nana avec son avion, je crois. C'est un guépier là-dedans. C'est tellement tentant de voler un bateau. Bonjour Pinsen. Oh, j'espère que tu vas bien. Hop là. C'est par là-bas que je vais me barrer, moi. Ah, je vais partir à la rencontre de plusieurs personnes. Mouche. Ah.
merde. Voilà, un peu nigo les gars. Un tout petit peu nigo. Aïe 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 aïe. Merde. Alors là, le nigo c'est moi. Ouais. Camouflage réussi pour le loustic parce que je l'ai pas vu. C'est horrible, je suis déjà assommé par la chaleur. Je dors à moitié debout, c'est épouvantable. Je ne sais pas qui était si proche le gars. Ouais, j'ai même pas le temps de me saisir de la... alors... Est-ce que je descends... Mais non, on descend sur la rive opposée, c'est pas malin, j'ai pas de... Hop, et je laisse le navire. Je sais pas si j'aurai l'amplitude. Ah non, je l'aurai peut-être pas. Merde. Comme j'ai pas de fusil de sniper, ouais bah il m'allume, il faut que je change l'angle d'arrivée du navire. Parce que vraiment l'amplitude de la mitrailleuse à bord est courte. Je peux pas faire grand chose. Ah, comment je m'y prends? Bonjour Christella, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est lui. Bon, moi le gars, je l'ai liquidé. Ouais, il était sur une pirogue motorisée également. Hop, je regarde. Ouais, ça va bien. Bon, c'est cool. Oh, merde. Bah, avec la chaleur, je suis pas très frais. Ah merde, il m'a eu. Alors que j'ai blessé, j'ai vu le sang gicler au loin. Mais il a réussi à me liquider, le salopard. Ah oui, le mec, il arrive. Ah, il voulait me faire du rentre dedans. Ouf. Eh ben dis donc. Ah. Merde, je suis en train d'accoster accidentellement. Ah bah tiens, il y a les armes du mec que j'ai. Ah, j'ai plus de fond. Voilà, que je revienne sur la rivière. Bonjour les gens. Merde, il m'a eu. Violence. Non, c'est pas le bon angle. Là, alors là, ils vont m'avoir. Voilà. Là, je peux quand même avancer un petit peu avant de me faire allumer. Alors, salopard, il était là. Ah, ils étaient deux.
Il y a trop de fumée et voilà, l'arme est trop chaude. J'ai trop de vapeur, je vois plus rien. Ah, il y a encore un gars. Bon, bah j'en connais qui vise mieux que moi. Hein. Dur. Oh là là, il y a là ici. Viens là ici. Ouh. Et voilà. Bon, vous savez déjà que le niveau de difficulté était élevé. Mais il faut vraiment que je sélectionne en grande conscience professionnelle les bonnes armes en fonction des missions. Que là, clairement, un fusil de snipe serait approprié. Ah, je crois que je les ai eus. Non, ils se relèvent, ça ne part. Ah, planque débloquée, c'est cool. Ah, ça plaisante pas, oui. Oh merde! Ils ont eu mon moteur, presque. Heureusement qu'il fumait pas noir, parce que c'est un coup à ce que l'embarcation explose et je meurs avec. Cramé et noyé. Vous imaginez l'horreur? C'est bien, je voulais déverrouiller la planque. Et c'est chose faite. Bonjour, Torota. Oui, bisous, tout plein. Ouais, ça va. Bah, je suis dans un état latent. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Je suis dans un état second à cause de la chaleur, déjà. Oh là là. J'arrive même pas à sauter sur le quai. Mais à part ça va, merci. Oui, mais j'espère que toi aussi, Torota. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui se sont manifestés ici, normalement, se portent bien. Donc. C'est un heureux constat. Alors, ah, mon lance-flamme. Ah, mes autres armes. Hic, niveau santé, je suis bon. La vache. Ah oui, je remplace le lance-flamme par le Storer. Vas-y voir que je regarde. Oh là là, c'est une arme à la Schwarzy, ça. C'est la guerre! Oh mon dieu. Bon, je reprends mon arme. C'était pour tester. Alors, évidemment, la musique s'emballe. Ça va de soi. Ouais, tu vas bien, Torota, c'est cool. Alors, sur la 4, on y est où? Oh, il y a un diamant tout proche. Diamant. Oh, diamant là-bas. Il y a du diamant. Il y a du diamant. Les personnes en face méfient de la végétation. Oh! Comme ça, posé au calme. Eh ben dis donc. Ce caillou qui vaut des sous. Le caillou qui vaut des sous. Oh, il y a une installation monstrueuse devant. Oulala. Oulalalalala. J'ai pas de snipe. Va falloir que j'improvise un truc au corps à corps quasiment. Oh merde. Il y a déjà une vigie sur la rivière. Ça déconne zéro. Oh bonne mère. Attends, est-ce que j'ai une arme qui me permet, ouais, de zoomer un peu? Oh le merdier. Oh la vache, j'ai vu 4 mecs. Waouh, mais où est-ce qu'on est? Vous avez vu tous les symboles sur ma carte?
Oh le merdier! Merde, je me suis fait repérer. Attends, 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 c'est au sommet qu'il faut aller, dans la propriété. Attends, tu me mets pas à détaler tout de suite parce que... Avec un peu de chance, ils sont encore dans le doute. Ah ouais, les escaliers. Oh, chaud. C'est beau. J'adore. Bonjour messieurs, dames, c'est le facteur. Ils vont jamais me croire. Oh merde. Mon dieu, je l'ai dans le cul. Wouh. Bon bah... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me soigner, pas sauvegarder. Oh le con. Mais attends, c'est quelle touche? Ah, c'est celle-là. Faut que je reprenne mes repères, moi. Pa 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 pa. Je vais en chier. Excusez-moi du peu. Mais c'est un assaut intéressant. Mais moi aussi j'ai pas par là. Je crois pas trop envie de tomber de mourir comme génial. Si le chef entend ça, ça va manger du plomb au petit-déj. Mais surtout ne parlez pas tous en même temps. Allez, tout doux comme un félin. Il me repère pas. Je sais qu'il arrive. Merde. Oh merde, il m'a repéré. Ah, il m'a battu. C'est moche. Oui, comme il fait chaud là, c'est la saison chaude. Je... Ah oui, non, mais j'ai un comité d'accueil partout. Je... Comment dire? Je vais avoir du mal à varier mes tenues et les coiffes. Là, les chapeaux, pour le moment, j'évite parce que... J'ai déjà 27 chez moi, là, ce matin. Donc je suis pas... C'est pas cool pour moi. Elle va te tuer, oui. C'est le gros sadique. Bonjour, Nayonet, j'espère que tu vas bien. Oh la vache. C'est bon, on peut rien faire d'ici. Cadeau. Oh, magnifique. Comment qu'il a giclé. Ça sent mauvais. Oh le bordel. Non, faut rester ici. Elle était non sous en recherche. Ouais, 27 là dans ma pièce, c'est pas cool. Et j'ai pas pensé à aérer hier soir avant d'aller me coucher. J'étais tellement crevé que j'ai pas réfléchi de quoi que ce soit. Attends, je me méfie ceux qui essaient de me contourner. Ah, t'as le nez qui coule? Ah merde! Non, non, moi ça va, je suis juste un peu claqué par la chaleur, mais pas le nez qui coule. Ah merde, t'as chopé un chaud froid. Eh ben, n'oublie pas un Ayonnais, on commente notre promenade suivante demain. Je te l'ai pas rappelé, mais demain après-midi, je représente une promenade. Donc évidemment, si tu peux commenter avec moi, ce sera cool. Je t'ai vu! C'est la guerre! Merde! Allez! Allez, viens le chercher, fils de chien! Allez! C'est con! On peut rien faire d'ici! Ah, c'est. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? La poisse, il y a une attaque! La puisse! On peut rien faire d'ici! Merde! Oh magnifique.
Là, pour le coup, je la joue bien. Il y a des boyaux par terre. Oh, quelle horreur. Oh, bien ici. Pas mal. Oh, ça crame. Non, il y a personne ici. Il y a du matos. Je vais réussir mon assaut, moi. Wouh! Un chiffon, fon, oui, ils cherchent, oui. Faudrait qu'on se joigne à eux pour les aider. Ah, mais ils sont combien dans cette baraque? Ouais, vous êtes encerclés avec un homme. Vous avez pas honte? Bonjour, Dorian Sky. Oh, oh. Oh, une radio militaire, vous avez vu? Oh mon dieu, avec des documents secrets. C'est quoi, c'est la Bible? Jolie Bible. Oh. Cadeau. Attention. C'est beau. Tu pars, allez avance. J'ai dit avance, ouvre le feu. Are you crazy or not? Are you crazy to shoot? Oh là là là, je sais plus où aller, il y a des pièces tout partout. Ah merde, il m'a fait boulot, salopard. Ah merde, il était dans la pièce. La bonne blague. Je ramène mon... Ah ouais, tu le mets en réparation ton PC. Bah oui, il fallait que t'attendes un jour où tu bossais pas, mon pauvre. Eh ben, bon courage avec ça, Dragon Sky. Oui, d'ailleurs, en parlant de réparation de PC et de l'été, hein, n'hésitez pas à ménager vos PC. Et faire la poussière, les laisser aérer et limiter leur utilisation pour préserver votre matos. Si c'est un vrai dialecte africain, et je le crois, je serais curieux de connaître la traduction. Alors en même temps, j'ai optimisé pour acheter de la mémoire vive et ouais, des disques durs. Ouais, ouais, c'est bien. T'as bien raison, Dragon Sky, fais-toi plaisir. Bon. Je vais aller à l'étage. Je vais aller à l'étage. Chaga Africa. Oh, un coffre fort. Mural. Oh mon dieu. Il doit y avoir des choses dedans. J'entends des pas. Oui, c'est l'horreur, oui. Oh, un appareil photo. Attends, alors si je sens Syra au sol, hein, c'est pour ma sécurité, je suis en train de ramper. Enfin, je suis à genoux. Je diminue la probabilité qui me touche. Mais ouais, sinon on dirait qu'il y a l'impression que j'incarne un gamin. Hic. Oh merde, la malaria qui fait effet. Oh là là, la mouise. Petite question, est-ce que les kebabs sont plus caloriques que les tacos? Alors là, c'est une question qu'il faut que tu la soumettes à Westbot, mon cher Dragon Sky. Je serais incapable de te répondre. Par contre, en parlant de miam, de nourriture, j'ai eu une très bonne surprise, moi, cette semaine. J'avais une grosse conserve, mais quand je dis la grosse conserve, c'est la grosse de thon. Quel idiot celui-là.
et où j'avais un demi kilo en boîte de thon. Et la date allait sauter à la fin de l'été. Et ça marinait dans de l'huile de tournesol. Et puis je me suis dit, mais ce serait bien, l'huile de tournesol va me permettre de faire frire le thon. Donc j'ai mis ça dans un wok. Et j'ai rajouté un lot de pommes de terre aux épices, là, je sais pas comment ça s'appelle. Des pommes de terre en gros morceaux épicées. Une tuerie. J'ai fait mijoter ça pendant 3 quarts d'heure. Et puis j'attendais que ça refroidisse pour manger ça comme une salade. Mmh. Il m'en reste encore là parce que ça me faisait un peu plus d'un kilo. Super bon. Faudrait que je me refasse la combinaison, c'est trop bon. Non, ça n'a pas marché, Dragon Sky, parce que tu as commis une erreur de saisie. Tu as écrit Wisebot sans le E. T'as oublié le E entre le Z et le B. Et n'hésite pas à l'interpeller avec l'arrobase en préfixe. Non, la propriété privée est à moi. À la base, je voulais réquisitionner un navire pour... Bonjour, cousin Rio, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Oh, le carnage! Ouah, le strike que j'ai fait avec ma grenade, moi! Ouah, toutes les dépouilles, ça fout les jetons. Ah, un quoi? Un spiruline? Eh ben, dis donc, vous connaissez pas ce poisson, un spiruline. Waouh! Il y a un monsieur, il a dit pas touche à la pharmacie. Oh, mais il est au-dessus. Pourquoi je l'ai pas vu? Bah. Attends. Apparemment, ça fait mur. Mais attends. J'ai pas eu accès au balcon, moi, en étant en haut. Quand je vois un truc derrière le canapé, c'est quoi ce délire? Enfin, bref. Attendez. Bah, il n'y a pas d'accès au balcon. Mais non, tout est barricadé. Oh, l'autre est... Il accède au balcon depuis l'extérieur. C'est pas possible. Salopard. Ah bah voilà. Wisebot a répondu. Attendez là. L'autre loustier qui était sur son balcon, il s'est barricadé. Ouah. Non, en fait, il n'y a pas d'accès extérieur. Il est isolé. Il mériterait que je lui fasse un tir à la trappe. Alors attends. L'idée est de savoir bien viser. Tiens, chop. Non, alors là, je dis non. Là, je refuse. Le mec, il a pas flambé. C'est scandaleux. Il faudrait même que je mette la main sur une grenade, pour le coup. Il n'y a que le souffle de l'explosion qui me permettra de le dégommer. Là, on voit un petit peu le côté perfectible du jeu. Mais bon. Ah là 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 là. Oui, je relis un peu le chat, Nayone, oui, tu m'as confirmé pour le rendez-vous de demain, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'on fasse un tandem. Ce sera sympa. Bah alors, il en met du temps à réactualiser mes sauvegardes. Excusez-moi, faut être un poil patient, d'ailleurs j'en profite pour boire un coup. Ah bah. Oh. Vous avez vu? Je suis à peine à un quart du scénario, 23%. Tout doux. Hein. Bon, gros vilain. Oui, il mériterait que je lui fasse ça. Ah bah oui, que je suis bête, j'ai le lance-flamme. Enfin, faut-il encore avoir de l'essence? Attendez, je vais chercher du matos.
Et attends, je vois que t'as écrit quelque chose, Dragon Sky. Oh, il y a une échelle. Attends, mais il y a du diamant. Il y a du diamant. Oh, je l'entends, il doit être sur le toit. Il y a du diamant sur le toit. Oh mon dieu. Alors hier soir, j'ai commencé à faire la nouvelle saison de Fortnite, chapitre 4, saison 3 en direct Twitch. J'ai fait top 1 solo sans construction. Oh GG! J'espère que tu t'es auto-clippé, Dragon Sky. Trop la classe. Oh! Ah bah oui, tu passes. Je suis à nouveau sous la. Sous le joug de l'autostick. Ah, c'est bien. Mais c'est idiot, j'ai pas mes munitions, moi. Attends. Ah merde, il me fait bobo. Eh, s'il me fait bobo, je peux lui faire bobo, hein. Je crois que je l'ai eu. Je dis bien je crois. Du coup, je voulais aller vers la rivière, moi. C'est ça qui est dingue. Mais il manque plein de trucs. Là, j'ai plus d'essence pour le lance-flamme. Je suis dans la mouise. Vous m'écrivez cet après-midi le temps, je partais en exploration dans Minecraft. Oui. J'ai fait un petit billet hier soir, parce que je me suis amusé à essayer de trouver le biome cerisier. Et je l'ai pas trouvé, par contre j'ai fait des sacrées découvertes. Je vous en parlerai demain. Demain je ferai un point de Minecraft en plus de la nouvelle promenade. Mais attends, j'ai forcément un stand où je peux recharger mon lance-flamme. C'est juste que ça a échappé à mon intention, c'est pas possible. Normalement, je suis en quête de flacons rouges, là, les espèces de mini-jerricanes. Par là-bas? Non. Dans la maison secondaire? Ça m'étonnerait. Je veux bien aller voir, mais... On ne court pas dans les escaliers. Ah oui, il est 10h. Merdoum, j'ai pas de recharge pour mon lance-flamme, ça me plaît pas. Ou alors sur les quais. Oui, toi Minecraft, ça attendra mon pauvre Grand Sky, ouais. Non, on va dire que j'ai fait 3 découvertes remarquables sur notre monde commun. Mais je vous expliquerai, je vous détaillerai tout ça demain. Merde! Ah, il est là, le mec. Oui, bah, je peux garder l'arme dont j'ai plus une. Merci. Au moins, c'est bien, il est sorti de son trou. Doom. Mais c'est pas possible, ils ont forcément des recharges en shuriken. C'est pas croyable. Et je vous rappelle que j'ai toujours pas fait le diamant qui était sur le toit, hein. Il faut falloir que j'y retourne. Attends, c'est moi ou c'est... Ah non, c'est des nénuphars. Merde. Non, mais non. J'ai envie de vous répondre que j'ai tout trouvé sauf ce que je souhaite. Ah, mon lance-flamme qui est sec. Ah oui, il y a les petites baraques là aussi que j'ai pas faites, je crois. Je sais plus. Mais si, c'est les garages.
Mais si, oh là 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 là. Donc, on va aller en quête du gros diamant, là. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ce bazar-là. Monter sur les objets. Hop là, voilà. Nickel. Ah, un petit diamant. Mais du coup, je peux... Non, mais c'est dangereux d'essayer sur le balcon, parce que s'il est fermé... Ouais, il y a le salopard qui m'avait posé problème, qui est quick. Non, bah, Crotum, je suis deg de pas avoir trouvé d'essence pour le... Le lance-flamme. Attention la chute. Ah, la malaria qui fait des siennes. C'est la vilaine malaria. On n'en veut pas. Didadidouda. Et j'aurais pas à dire, mais le gars qui est installé là-bas sur le rocher en mode sniper, il est plein ousas. Bon, bah... Je vais faire la suite de l'aventure par là-bas. Ils sont bons, ils sont bons. Hop là, un petit cadeau. Je peux flamber la baraque. Merde, mon arme, con, j'ai oublié de recharger. Oh, la faute de débutant. Mais c'est moi ou ça flambe pas? Ils ont vachement bien irrigué leur zone. Ah, merci. Attends. Je saute de bateau en bateau. Ah, il est là. Voilà. Fallait l'achever le Mickey. Je comprends mieux. Ah, magnifique. Incroyable. Ils sont mieux organisés et mieux équipés. J'ai l'impression que la villa privée, là. Eh ben, dis donc, c'est un comble. Merci bien. Je me sens beaucoup mieux. Et hop, une planque de gagner. Une. Saga Africa, bien c'était la Bruce. Ouais, bah il fait jour, je vais garder le jour, forcément. Je crois qu'on est en pleine journée pour que ça dure. Oh, il est mort avec un... Il y a du mobilier qui a giclé. Ah, c'était sa chaise de garde à mon avis. Et il a giclé avec. Il a giclé avec. Alors, suite des opérations, je suis perdu. Poilot U. Si j'essayais d'aller au bar de Mac ou en ville pour décrocher une mission. Pardon.
J'ai un pigeon qui est passé devant ma fenêtre, il m'a généré une éclipse. Il m'a fait flipper, cet idiot. Allez, on change de navire. Celui-là, il est neuf. Hop, laver avec Myrlène. Allez, zou, c'est bien. J'ai refait le point. Ya 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 ya. Ouch, 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 ouch. Oula, c'est étroit par ici, la rivière. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une revendication de territoire. Hop, 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 hop. Tu m'en poses une colle. La rivière qui observe deux bras, je prends lequel? Ah oui, d'accord. Je vais m'arrêter là pour la rivière parce que je vais me faire repérer. Là, on voit qu'il y a une installation. Hop là. Bien content de retrouver la terre ferme. Oh, bidonville. C'est un bidon. Oh, corvée de pommes de terre, dis donc. J'aime bien, on entend la... les oiseaux. Ouais. Avec un peu de chance, j'aurais pas beaucoup de résistance pour rejoindre la ville. Pas là. Qui est au centre de la carte. Pas de point de contrôle? Ça m'étonne. Attends. Ouais, non, je passe par là. Effectivement, avec le cessez-le-feu décrété en centre-ville, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de patrouilles en périphérie, finalement. Ah, merdoum! Je ne sais plus conduire. Alors, cessez le feu. D'ailleurs, je vais changer d'arme parce que... Ouais, je vais garder la machette. Alors, qui est prêt à se payer mes services? Ah bah merde, c'est dans la partie opposée de la ville. Faut que je prenne la rue centrale et que je la traverse intégralement. Coucou les gars, je suis là. Il n'y a pas de dame. Hein. Vous aurez remarqué qu'il y a un surplus de testostérone concentré ici. Soupir. Alors, attends. Ouais, bizarre là. On s'arrête là. Faut que je garde tout l'équipement. Je sais. Ah, cette ambiance. Franchement, le coup de la lumière tamisée rose-rouge, j'adore. J'adore, j'adore. Oui, tiens, on va sauvegarder dans une grosse... une grosse emplacement. Mais j'ai combien de sauvegardes? Mais oh là là, l'autre il me fait 50 milliards de sauvegardes. Oh là 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 là. Il va falloir que hors antenne j'en vire une centaine.
cancer, plus de 3 mois à vivre. Les gens racontent beaucoup de conneries. On m'a aussi dit que quelqu'un avait été payé pour le tuer. Qui? Le chacal? Allons, c'est un marchand d'armes. Qui voudrait le tuer? Le chacal aurait un cancer? J'y crois pas non plus. Je n'y crois pas non plus, Baliverne. Attends, je me souviens pas avoir fouillé leur... Oh la vache, ce luxe. Coucou! Hey, tu cherches à te goinfrer? C'est quoi ces trucs que tu fais pour le FLL? Tu sais pas que c'est nos ennemis, mec? Je suis mercenaire indépendant. Des choses horribles. Tu veux du taf? Tu m'envoies ce mec? Il est parfait. Bon, on a un plan pour faire péter la case de l'UFLL. Ils ont des véhicules un peu partout sur les routes. Et nous, on préfère quand l'ennemi est à pied. La case est près de la décharge à l'ouest de la ville. Tu peux pas la rater. Vu l'odeur, tu peux pas. Prosper et moi, on veut que tu trouves la case et que tu la fasses exploser, ok? Tu seras sur le terrain, tu pourras faire ça comme tu veux. Assure-toi juste de faire exploser leur air comprimé. Aujourd'hui, on va te payer pour tout péter. Me dis pas que t'adores pas ton taf. Voilà donc. Ton fric. Maintenant, fonce à la décharge et détruis ces compresseurs. Ouais. Des compresseurs. Eh, hey, juste un conseil. Même les gars de la PR vont tenter leur chance s'ils le peuvent. Alors fais gaffe à toi. Oui, ça promet un gros grabuge. Déjà sur place, ça va pas être triste de se rayer un chemin. Et c'est surtout une fois que j'aurai fait péter leur dit compresseur. À mon avis, l'explosion va se faire entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce qui va faire office de ralliement. Gaston, il y a téléphone. C'est Flora. Retrouve-moi de l'autre côté de la colline, près du ranch. Allez, il y a Miss Flora. Ah, vous aussi des patates, décidément, vous carburez à la pomme de terre. Alors, elle est où la Miss? Ah oui, bien sûr, bah je vais prendre un bus, hein. Vache, vu ta position, ma grande. Alors, les arrêts de bus, je sais même plus où est-ce qu'ils sont dans cette ville. Ah oui, c'est là-bas. Oui, bah je peux retraverser la rue principale. Cette ambiance africaine. Oh mon dieu. Avec depuis ma partie de ce matin, je suis pas allé dans une armurerie changer de flingue. Alors, elle est où la Miss? Ah, elle est là. Hop là. Il est où la Miss? Oserais-je dire ma complice? si tu veux, on peut sauvegarder. Je suis plus assez prêt. Enfin, mais pas 3 heures, oui, voilà. À rebrasser toutes les sauvegardes. Alors. Oserais-je dire quelle est la porte d'à côté? Oh, un petit buggy! Oh, c'est cadeau, c'est merveilleux! L'aventure, c'est l'aventure! C'est beau! Ibi. Où est-ce qu'elle allait se planquer? Ah, maline. C'est une maline.
Je t'entends avec ta radio militaire, ma grande. Hé, hey, par ici. Alors, comme... Je croyais pouvoir te faire confiance. Tu vois le gros... Je croyais pouvoir te faire confiance. Tu vois le gros terminal pétrolier au nord d'ici? Le front a un bureau là-bas. Dans le bureau, il y a une carte. J'en ai besoin. Tu crois que tu peux aller me la chercher? Oui. La carte montre les itinéraires que leurs camions suivent. Ils en changent tous les jours pour que personne ne puisse y traquer. Une fois que tu auras fait exploser la casse, chaque chauffeur va revenir au terminal aussi vite que possible. Bonjour Basto, j'espère que tu vas bien. Ah, t'es un jour de boulot, oui, on est samedi. Parce qu'ils transportent de l'essence. Et tout le monde veut de l'essence dans la région. Les camions sont camouflés. L'UFLL garde sa réserve d'essence dans ses camions pour qu'elle reste mobile. Comme ça, personne ne peut l'attaquer. À part moi. Ouais, j'espère que tu vas bien, Bastos. Merci du coucou. Je vais tendre une embuscade à ces camions quand ils arriveront. J'essaierai d'en voler un et je ferai péter les autres. Ou peut-être que je les ferai tous péter. J'ai pas encore décidé. Ça pourrait être dangereux. J'aurais peut-être besoin de ton aide pour m'en sortir. Je cherche la carte dans le bureau du manager. Eh ben. Ouais, bah bon courage par avance pour ton boulot, hein, Bastos. Je devine que tu vas prendre ton service. Chala vilaine malaria. C'est terrible. Oh merde! Bonjour messieurs. Ah bah non, je fais flanguer mon buggy. Oh là 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 là. Bon bah boum. Finalement je vais reprendre la Jeep qu'elle avait. On va laisser cramer, hein, on va regarder et puis. Ce sadisme. J'espère que le feu va pas venir vers moi, j'ai l'impression qu'il progresse vers moi là. Calmos. C'est bien ce que je me disais. C'est foutu pour les véhicules. Oh là là. Et Med. Oh, il était rigolo le buggy sniff. J'ai tout caché. Bon, bah, avis aux pyromanes. Hein. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, l'imbécile que je suis aurait dû regarder d'abord la carte. Ouais, faut aller à Petrocel. Oh la vache. Doucement, doucement, doucement. Ouh là là. Oh ben c'est cool. Je suis sûr que si on ouvre, on active la radio, il y aurait une propagande militaire ou un brouillage. Ça m'étonnerait pas. Il y a quoi dans la petite casse-bas? Il y a encore une corvée de pommes de terre là ou... Ah, c'est la misère absolue! Un peu de bière, c'est tout. J'ai la misère absolue. Brr. Attends, avec toutes ces flèches sur ma carte, je sais plus où aller, moi. Il me perturbe. Génial, je suis allé à l'opposé de là où je devais aller. Nul le mec, j'aurais dû prendre la direction du chemin de fer. Et là je suis en train de me barrer dans la cambrousse, je sais même plus lire une carte. Tout va bien.
Sens de l'orientation, 0 pointé. Bon, en même temps, je garde un œil sur le GPS, parce que si le détecteur de diamants se met à s'affoler, ce sera toujours une bonne prise, vous en conviendrez avec moi. Bon, je re-sauvegarde au bon endroit, enfin dans le bon sens du moins. Oui. Ah bah c'est l'arrêt de bus de tout à l'heure. Attends, mais c'est quoi cette route? Oh là là. Alors. Oh, il y a une patrouille en face. Ah, mais c'est un petit mec de mes deux là. Mais oui. Viens par ici, my love. Viens par ici que je te déboîte. Voilà. Il est mort. Oh, je suis gentil, je répare la tuture. Allez, avant qu'elle explose. Parce que quand elle fume noire, si on la laisse telle qu'elle en train de fumer noire, elle se consume sérieusement. Et quand les flammes apparaissent hors du capot, c'est qu'elle va exploser. Alors que fumée blanche, c'est un avertissement, si vous voulez. Bon, au moins la bagnole pourrait être utilisée. Mais je vais garder la version équipée du pistolet mitrailleur, là. Parce que là où je me rends, à mon avis, il va y avoir un comité d'accueil, peut-être une douzaine d'hommes. Donc si je pouvais avoir une arme qui me propose munition infinie, j'achète. Oh, c'est config. Je sais pas s'il y a du monde dans le train, je sais pas. Hop 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 oh. Il y en a des obstacles, doucement, c'est pire que le Paris-Dakar là. Voilà le zèbre, il m'a foutu des jetons. Alors, il va falloir mettre le zouk dans la compagnie pétrolière. J'ai déjà fait ça. Je tente un peu à la Rambo. J'ai dit un peu. Je voulais pas dire, tu veux te faire planter, mais ça marche. Attends, est-ce que je peux avoir du... Merde, c'est des grenades que j'ai jamais mis les molotov, je sais plus comment on fait pour changer. Salopard. Wouah, bien joué. Comment qu'ils m'ont dégommé à la grenade, les salauds. Ah là 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 là. Ouais, c'est bien, tu vas très bien, Bastos, c'est cool. Comment tu montes la vache? Ah, ouais, non, mais là, vous êtes tellement les gars. Oh, j'en ai qu'un seul. Hop là, il y a un dans les vaches, mais c'est Oh,
Alors ça flambe ou pas? J'ai pas l'impression. Ah, oh, ça serait tellement bien si ça pouvait flamber. Merci. Enfin, pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont perdu. Merde, on devrait se disperser et le chercher. Pas moyen, on bouge pas, on sait même pas où il est. Beau départ de feu. Là, ça devient intéressant. Ils vont se mettre à courir comme des lapins. Il doit être par là. Dispersez-vous. Moi, j'ai pas trop envie de tomber sur lui. Si le chef entend ça, tu vas manger du plomb. Regarde, il y a un peu de brousse. Fais gaffe, il est toujours dans le coin. Allez, on s'éloigne de ces flammes. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus personne dans les bâtiments, dis donc. Ah, malin, il dort. Où sont-ils? Là, par là, quelque part. Attends, je te vois. Qui c'est qui arrive à me saucer? Ah, bien joué. Oh, configuration d'assaut intéressante. Je suis pris en état de siège sur l'ancienne position de leur snipe. C'est intéressant. Reste tranquille. Prends l'initiative et le serré. Je sais même pas où il est. Il a peut-être même quitté la ville. Ouais. Il doit être par là. Dispersez-vous. Moi, j'ai pas trop envie de tomber sur lui. Ah, puis c'est bien ça, foutre le feu. C'est ça qui est rigolo. Mais je regrette de pas avoir le snipe. Parce que là je serais beaucoup plus efficace. Putain, ils avaient pas pris la direction de la cambrousse, les gars. Feu, y a le feu. C'est lui. Il fout le feu maintenant. Il fout le feu. Tiens-toi à l'écart. Oh, il y a un véhicule là-bas. J'avais pas vu le mouvement. Le siège va durer un petit moment. Hein. J'ai vu une tête dépasser. Je fasse gaffe avec mes munitions, elles sont pas illimitées. Cadeau. Ah, j'en ai eu un. Magnifique. Magnifique. Oh, là la malaria fait bobo. Je me suis relevé trop vite. Non, sauvegarde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, je sauvegarderai après m'être soigné de la malaria. Merci. Voilà, là ça va beaucoup mieux.
Oh la vache. Hey, franchement, je m'attendais à mettre le feu davantage. Hein. Et là, je les ai alignés. T'as même le camion, ils l'ont. Oh là. T'as tout le monde qui a appliqué au pied de la citerne. Ah, j'entends un mec. Salopard. Ouais, je l'ai pas loupé, il est bien mort. Waouh. L'ambiance africaine, oh mon dieu. Mm-hmm. Oh. Des grenades. Et c'est ça qui est bon. Mm. C'est quoi la mission? Ah ouais, il y a un truc en face qu'il faut faire péter, d'accord. Ouais, je peux refaire le plein de... Pharmacie, là. Les soins. Oh la vache, il y a des explosifs partout. Oh. Ça me plaît. Ça me plaît chez chaque... Un petit foot. Bof. Et bah, parfois la physique elle est bizarre. On peut faire un énorme tir. Ah bah voilà. J'ai refait le plein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le document qu'elle souhaitait en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à me préparer. Fais péter la casse dès que tu seras prêt. Péter la casse dès que tu seras prêt. C'est pas la porte d'à côté, ma grande. C'est pas la porte d'à côté. La configuration est pas du tout à mon avantage. Parce que j'aimerais aller à l'armurerie avant. Là, je suis fou, je vais y aller en camion. Ouais, laisse-moi un peu de temps, ma grande, parce que pour te rejoindre... Est-ce que j'aurai le culot de remonter tout le long de la voie ferrée? Ça m'a l'air pas mal. C'est osé, mais c'est valable, mon plan. Je remonte toute la voie ferrée. Alors, vous voyez, je suis au niveau de la carte, je suis en haut à gauche. Je vais essayer déjà d'aller tout en bas à gauche, vers l'armurerie. Ça va être... Mais je t'ai jamais dit de descendre, abruti. N'importe quoi. Et là, je vous nargue. Moi, j'ai Africa Truck Simulator. Attends, ils sont intelligents ou ils sont débiles? Je crois qu'ils sont débiles. Ils sont débiles. Cette feinte. Mais ils m'ont pas vu, on est d'accord. Non, ils m'ont pas vu. Tranquille. Moi-même.
mais ils sont chiants. On voit largement le pneu du camion sur la droite. Quand on soulève le capot. C'est très très aéré. Oh, il y a une patrouille en face. Merci pour les clips. Merci. Le fond, je sais pas, c'est... Enfin, c'est une gazelle normalement. Ouch. Je fais barrage routier, c'est moche. C'est moche. Ah, ce qui me fait suer, c'est que l'autre, elle est déjà en action et je crois que ma mission est chronométrée. Il va falloir que je me les fasse différemment. Allez, venez! C'est de m'emboutir avec cette Jeep de mes deux là. Alors, sur la carte, est-ce que je peux regarder où j'en suis? Oh là là, je suis qu'à... Ah non, c'est pas mi-chemin. Si, je suis à mi-chemin. Il faut absolument que j'atteigne l'armurerie en bas. Et seulement après, je la rejoins. Et je peux me vanter d'avoir un moyen de locomotion. Certes lent, mais robuste. Le modèle au-dessus, c'est le char d'assaut, hein, je tiens à le dire. On y est presque. La 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 la. Alors, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Alors, qu'avons-nous sur le marché des armes? Observons. Observation. Je veux d'abord voir les options équipement, ouais.
Oh mon dieu. Pff, oh, 45 diamants la tenue de camouflage. Mais ça, ça peut être un objectif, hein, la tenue de camouflage à 45 diamants. Parce que si je pouvais gagner vraiment en furtivité, ça pourrait donner lieu à des situations drôles d'infiltration. Ouais, tu parles, améliorer la précision, la fiabilité. Pardon. Un gros camion, amélioration de réparation. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Fusil d'assaut, coffre, c'est des armes de poing. Nanana. Ah ouais, une arme de poing silencieuse, ça peut être pas mal. Le lance-roquette, bof. Le problème, c'est que le lance-roquette, il faut avoir la sacoche qui tienne les roquettes. Et c'est vraiment un gros, gros, gros dégât. C'est pas... Bof, 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 bof. Le mortier, je sais plus comment on s'en sert du mortier. Mais... Oh, je finirai bien par le déverrouiller un jour, hein. Souvenez-vous que le 2EI, c'est des explosifs divers et variés, vous savez, qu'on pose au sol avec une télécommande. C'est pour les convois, ça, faire péter les patrouilles. Non, bah, je vais rien acheter. Je vais rien acheter. Je vais relire mes objectifs de mission. Pour voir quelles armes je prends. Pour être sûr d'être efficace à Donf. Il faut tout faire péter, c'est ça l'objectif. Détruire le compresseur, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. J'y vais comment? Ça, quand je pense ça, j'en ai combien des munitions? J'aimerais savoir. Oh, j'en ai que 3, ça va pas loin. Je préfère encore, voyez, prendre le pistolet lance-fusée. Parce que j'ai le double de munitions. Et attendre que ça crame, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Lance-flamme, ouais, bah, je vais en prendre un modèle neuf. Je redeviens sniper. Je redeviens sniper. Ça, c'était... Ouais, les pistolets... Ouais, ouais. Ouais, non, je redeviens sniper. Je pense que c'est la meilleure solution. Bon, bah... On va reprendre le camion et on va se barrer. Alors, prenons le temps de bien lire la carte. Si je remonte par la voie ferrée... Ah, il y a moyen. Il y a moyen, ça me parle. Heureux, Dragon Sky. Petit demi-tour sur la voie ferrée. Voilà, ça se coud à mort, vache. Voilà, là je peux sauvegarder parce que je suis dans le bon sens. Et un endroit précis de la carte. Je vais rejoindre la route en fait pour aller sur le théâtre des opérations, comme on dit chez les militaires. Alors là, va y avoir un effet production Michael Bay. On va s'offrir un joli feu d'artifice. Ziggy très intéressant. Cet après-midi opérationnel ce soir, si tout va bien. Ah bien, Dragon Sky. Peut-être t'as du bol d'être tombé sur un... Euh...
dépanneur qui avait du temps. Libre, je risque de continuer à pied. Vous avez vu, il y a eu la diode du radar à... Oh là, c'est des bisons. C'était trop bizarre. Non mais là, les animaux, vous êtes pas cool. C'est des gnous, c'est... je sais pas. Bon, vous pouvez bouger les animaux, s'il vous plaît. Bougez. Merci. Les bisons, là. Mais il faudrait presque que je fasse une session spéciale recherche de diamants. Ouais, il y a une rivière, donc je ne vais pas pouvoir faire le kiki avec le camion. Je vais basculer si je continue mes années. Merde, je suis en train de me faire allumer. Il a fini de tirer, lui. Soupir. C'est pas croyable. Un réparateur pro m'a même offert Windows Pro pour ajouter sur mon SSD. Ah bah ça va, tranquille. C'est bon. Alors je sais plus où je suis. Et le camion va finir par exploser. Oh. Alors évidemment c'est bien Windows 10 Pro qu'on offre réparation diagnostic facturé 70 balles. Ouais bon bah c'est bien. C'est bien joué Dragon Sky. Je peux les mater, mais je suis trop mou en fait dans le... Je suis trop mou, la chaleur. La chaleur africaine. Non mais c'est vrai. Ces idiots. Ah. Ok, je me suis pas planté du bon côté. On va y arriver. On va y arriver. Ah, mais attends, mais oui, non, mais je suis d'accord. Ok, ok. 360 degrés, les ennemis sont partout. Et j'en conclus que j'ai plus la bonne arme. Attends, faudrait que je balance une grenade sur le pont. Là, pour le coup, je les ai calmés. Salopard. Allez, on y croit. Merde, me que c'est pas facile, la guerre en Afrique. Actuellement, je suis en magasin, faire mes petits achats avec mes parents. C'est bien. Fais de bonnes emplettes. Elle est pas belle, la vie. Bon, un trouble fait en moi. On entend beugler l'autre. Aïe!
Hop. Merde. Qui c'est qui m'allume? Attends. Là, y'a rien. J'ai combien de balles? Ah, j'en ai pas mal. Je peux faire le foufou. Ok. Ah. Mouvement ou pas? Mais si, je vois du mouvement. Bon bah je pense que je peux y aller, y'a plus personne. Y'a plus de mouvement. J'espère qu'elle m'attend pas trop ma collègue mercenaire là, parce que là, ma préparation elle est lente. Temps de la rejoindre. Ça me va, mais si je peux avoir des munes, des munitions, les sacro-saintes munitions sont appréciées. Ah oui, merveilleux. Merveilleux. Il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas de diamant. Oh là, tellement proche. Je prends leur bagnole militaire. Ah, ça va m'aider. Ça va m'aider si je prends leur bagnole. Ah, t'as trouvé un bouquin officiel Minecraft. J'ai trouvé un petit livre officiel de Minecraft pour apprendre toutes les choses de création de base nouvelle version. Ah bien, pourrais jouer à Minecraft ce soir et également mon camion américain. Mais t'as bien raison de te faire plaisir, mon petit Dragon Sky. C'est bien vu, c'est un beau programme comme on dit. T'as bien raison. Mais je me répète, hein, n'oubliez pas de ménager vos ordi avec la chaleur. Oh, diamant. Oh tant pis, je vais y aller comme ça. Faites gaffe. D'ailleurs, médecin, soigne-toi toi-même. Le mien, je serais bien de le dépoussiérer la semaine prochaine. Ce serait bien que je m'assure qu'il s'encrasse pas. Ah bah, j'ai commencé avec la mêle de diamant, moi. Dans ou sur le bus? J'ai l'impression qu'il est sur le bus. Ah non, elle est dans. Bah. Ah, malin. Oh, ce mec. Bien planqué, là. J'aime bien la succession de containers et du bus. Alors, oulala, ça va être sport. Tu passes au Ryzen 9. C'était pas beau. Le petit Ryzen 9. Ça, c'est un ponton de snipe. Et il n'y a personne... Non, vous êtes sérieux les gens? Vous avez un ponton de snipe et personne dessus? Non mais vous êtes des guignols. Ah, les renoms d'un dron qui m'empêchent de voir quoi que ce soit. Attends, c'est un mec? Ah non, c'est un mec ça. Ouais, bien. Magnifique, je sais pas viser. Il y a quelque chose par là? Je suis sûr de rien mon pote. Je sais pas, tout le monde est dispersé. Rien. Je vais voir. Au courant pour Steve, c'est tiré une balle dans le pied hier. Il y a qu'à espérer qu'il se tire dans la tête la prochaine fois. Ça va aller, descends-le, je vais le retenir. Oui, bim, vite. On peut rien faire ici. Ils sont chiants.
je vais me faire allumer. Merde. Non. Bah c'est le cas pour moi, je l'ai ramené en révision pour rafraîchir le PC. Oui, bah autant faire de pierre deux coups, surtout pour le tarif quoi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah. Tu m'étonnes. Attends, là y'a personne, c'est trop bizarre. Je sais même pas ce qui peut flamber, ce qui va rester inerte si je commence à propager un incendie. Ça se passe bien. Ah, ils sont là-bas. Cadeau. Ce sera plus facile. Ah, il y a un gars là-bas. Ça se passe très bien, Léo. C'est magnifique, ça. Docteur, les gars. Ça va aller, mon gars. Reste avec moi. Ça se passe très bien. Allez, un petit incendie cadeau. Véhicule. Quoi? Ah. Attends, j'arrive pas à localiser mon assaillant. Merde. Ah, là ça tue un peu trop. Ah, je suis content, mon assaut se passe bien. Alors je vais laisser retirer un peu et je vais faire une deuxième attaque dans une minute. Bon, je reviendrai un peu plus tard. Je vous souhaite bon appétit par avance. À plus. Oui, merci Dragon Sky. Bonne fin de d'emplette et bon appât toi aussi. Merci. J'aime bien comment il astique la jauge du lance-flamme. Ah, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu et t'es mort. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors là, je viens de leur donner ma position.
Le bordel. Ah, il y a un truc qui m'intéresse là. Ah, j'ai regagné des grenades. Intéressant. Attends, j'y vais au lance-flamme. Je suis sûr qu'il y a un truc dans ce wagon. Je me pose la question à savoir si je les ai tous eus ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Oh là 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 là. Non, non, non. Non, non, on peut pas investir l'épave. A l'inverse d'ici. Putain, mais il y a des trucs partout. Vous lancez un cocktail Molotov. Vous pouvez être sûr qu'il y a une explosion. Bah tiens, je ne voulais même pas faire du foot avec le tonneau d'explosifs. Le truc hyper dangereux. Il n'y a personne à la tour. Non, mais ils sont sérieux, les gens. Ah, je t'ai vu. Alors, on a les chocottes. Ah, c'était des... C'était des médocs. Non, pas ça. Ah, mais encore du monde. Il y a encore du monde. Oh, il y a du monde là-bas. Je t'ai vu, salopard. Il va venir par ici. Ou pas. Ah, celui-là a déjà cramé. Chou. Ah bah t'es là. Ça va? Pas trop chaud? Mais attends, mais il y a un bug de collision là. Wow. Non mais ça va, il cuit. Ah merci. Y a pas de... Non, il n'y a pas de diamant supplémentaire. Ah. Ça peut être sympa comme... Faudra que je monte sur la grande tour pour tout inspecter. Ça va être énorme. Mais... Oh. Bien essayé. Bien essayé. Par là-bas, je sais pas s'il y a des trucs. Allez, oh ce rebond! Ça, ça va foutre le feu à la décharge, quelque chose de magnifique. Boing. Toujours ça de prix, moi je dis. Hop là, allez, boum! Ça m'a l'air inerte, donc il n'y a plus grand chose. Je vais aller à la grande tour de snipe parce que je veux être sûr d'être le maître des lieux. Oh, je pressens le jeu de... Voilà, de faire des bons à droite à gauche pour trouver... Bah, sort dehors. Pour trouver une... Oh. Ok. Ah merde. Pour trouver du diamant. Putain, le mec il me style, il tire sur le baril d'explosif, je suis mort. Oh.
Oh, ça c'est beau. Ah oui. Alors, observons. Mais ma coéquipière, elle est encore en vie ou pas? Parce qu'on s'était donné rendez-vous même jour, même heure, même pomme, comme l'avait chanté. Ouais, elle est vivante. Je sais pas où elle est, mais elle est vivante. Alors là, pour repérer âme qui vive et des mercenaires qui se promènent parmi la tôle froissée. Bon. Ouais, faut que je fasse gaffe, il me reste pas 150 munitions. Non mais c'est pas possible, il doit y avoir Il doit y avoir du diamant là-dedans. Il y a quelqu'un qui a dû balancer une mallette de diamant, c'est obligé, c'est trop tentant. Et puis, je pense, vous savez, concepteur de jeux vidéo, se faire suer à mettre autant d'objets regroupés à un même endroit pour poser une atmosphère. Il doit y avoir au moins une mallette, c'est pas possible. Oh, j'arrive pas à le croire, je suis au centre de la décharge et ça clignote pas. Ah, puis je peux chasser des oiseaux aussi. Non? Ah. Putain, il y a des munitions là-bas. Là, il y a le truc là que je peux faire péter. Oh, j'ai pas fait péter le bois et j'ai pas fait péter le baril de... Oh là là. Je suis tristesse. De l'inefficacité des grenades. Pardon. Non, mais... Ça vaut même pas le coup de faire son Rambo, là. C'est triste. Hein. Je sais pas si j'arrive à... Ah, là-bas j'ai des munitions, ça va m'intéresser. Là aussi, il y a des barils d'explosifs, mais c'est trop bizarre. Trop calme. Voilà, c'est bien, ça flambe un peu. Ah, chez nous, là. M'en fous, j'ai repéré un pont où je peux recharger les grenades, donc je tire comme un ego. Allez, je descends. Bon, bah, je crois que je peux revendiquer des lieux. Alors, l'endroit qui m'intéressait... ça doit être en extérieur, l'escalier, par ici. Ou alors je monte sur la carcasse ouais, du camion. Nickel. Voilà, c'est là où j'avais repéré les grenades. Au moins j'ai refait le plein d'explosifs. Et les compresseurs, ils sont ici. Mais quoi, c'est ça? Non, non, je peux pas péter le... Non, c'est dans le bâtiment qu'il faut faire... Pour faire péter une bombe. Oui, c'est ça le compresseur. C'est le machin là. Ouais, ouais. C'est rien d'autre. Ah, on va faire boum. Bof, je suis plutôt déçu. M'attendais à une plus grosse explosion. Ok, ça a tellement mal cramé que mon objectif est pas atteint. C'est d'un ridicule. Non mais vous êtes sérieux les gens?
Merde. Voilà. Non, mais c'est une blague. J'y vais à la grenade, là. Merci. Là, c'est incroyable. Alors, arme embarquée améliorée aux planques. Merci du cadeau. Merci du cadeau. Réputation en hausse. Pas de diamant. Ah, faut que je la rejoigne là-bas, la miss. Non, mais je suis tristesse, je vous le dis. Oh là 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 là. Ben là, l'atmosphère, elle est pas mal. Ah, j'avais pas vu ça. Ah! Ah! Quand même! Merde, quel est l'abruti qui... Qui m'a tiré d'où? Il faut que je fasse le tout pour récupérer le diamant. Ah, mais c'est ma copine qui se fait attaquer. Merde. J'avais mal interprété ce que j'entendais. Oh. Attendez, qui est qui? Eh hey. T'es qui, toi? Ah oui, non, mais t'as du... Hey, t'as du... Mais quoi, elle est morte? Mais non, elle est vivante. Bah, c'est mission accomplie, non? J'ai pas compris. Je t'ai pas compris, ma grande. Apparemment, tu te portes Qu'est-ce bien. Que j'imagine. T'imaginais quoi? Oh, j'étais à la poursuite du diamant vert. Faut que j'y retourne. Oh, oh merde. Oh oh, j'ai caché la télé. J'ai caché la télé. Oui, j'attendais, j'avais un diamant moi. Ah, je suis sûr qu'il est au niveau de la... Ah, moi qui soit là. Machette, machette, s'il vous plaît. Machette. Ah, machette. Ah, non. Oui, merci. Ah bah voilà. C'était combien déjà la tenue de camouflage 45 diamants. Oh la vache, j'en suis un 28, va falloir être patient. Va falloir être patient. Donc, c'était rendez-vous. Une mission est possible. Trouver quelqu'un qui peut me fournir des médicaments. Quoi, je suis déjà en rupture de stock des médocs, moi, contre la malaria. Merde, ça craint. Ah, c'est au sud du pays. Pardon, que je peux avoir des médocs malaria. Ah bah, on va faire les médocs malaria. Et oh, ce serait terrible que je meure de la maladie. Alors, attendez voir. Alors, pour lire la carte, vas-y, toi. Donc, je me rembarque par là-bas. Par hasard, Julia veut pas que je la dépose quelque part, non? Elle s'est déjà barrée, je présume. Tiens, ma grande. Madame est servie, tu veux une... Non?
Visiblement, t'entretiens ton flingue. Attends, mais t'as... elle a coincé la crosse ou c'est moi? Bon, bref, elle se débrouille. Oh, à plus. Allez, zo. Ah. C'est moi ou j'ai vu un mec bouger? J'ai rêvé. Ah bah si c'est Julia qui a fait ça, bravo. C'est violent. Non, il faudrait que je prenne... Ouais. Complètement à droite, ok. Je vois le plan, ça me va bien. Oui, alors peu importe la Jeep, tant que j'ai une Jeep opérationnelle. Attends, je vais faire demi-tour parce que... Je vais pas m'en sortir. J'ai le bordel. Je sens que je vais vous abandonner à midi pile parce que j'ai pas pris de petit déj à part mon café au lait. Je commence à avoir faim. Merde. Hey, tire pas. Comment ça et pourquoi? L'autre il m'a dit tire pas, c'est pas comme s'il avait commencé à m'allumer. Non mais il est drôle lui, il a de l'humour. Mais le jeu m'a fait naître. Le jeu m'a fait n'importe quoi. Je suis passé au tir de... au poste de tir puis... enfin bref. C'était délirant. Ce qui est pas cool, c'est... ouais, il faut que je fasse gaffe au niveau de mes... Je suis où là par rapport à la carte? Ah, je suis encore loin. C'est la bonne direction. Tire pas mec et pampan. Oui, comble de l'ironie, Nayane, ouais. Ouais. Je t'en ferai pas dire. Je t'en ferai pas dire. Prends ce point. Oh là là. Ah, c'est une tueur. Ah merde! Je croyais que je l'avais arrosé, mais non. Le mec s'est bien décalé, il a évité la... les flammes. Il a évité les flammes de l'enfer. Donc, comment je procède? Je monte sur la colline ou pourquoi pas? Tiens, c'est pas idiot. Pas idiot du tout. Attends. Ah oui, là ça va être sympa, le côté sport. Enfin. Faut pas que la végétation me trahisse. Ah bah voilà. Oh magnifique. Voilà. Alors. Il y en a du monde. Waouh, ils sont trois.
Est-ce que je peux faire leur repérage avant? Non, pas comme ça. Comment on fait leur repérage? Je sais plus. Ah oui, c'est comme ça. J'ai pas un truc... Ah, merci. Merci bien. Ah, je pourrais m'amuser à leur foutre le feu. Ce serait... Oh, d'abord le snipe. C'est plus intelligent, je trouve. Alors... Ah oui, ils sont nombreux. Merde, loupé. Il va venir me voir, lui. Salut, toi. Bien tenté. Non. Oh, il a fusionné avec le capot de la bagnole. Merci pour la livraison de véhicule, j'aime bien. Bah écoute, c'est tellement gentil de ta part. Je refuse pas le cadeau. Alors... Oh, j'en entends un qui agonise. Oh, toujours et encore de quoi. Oh, merde. Quoi, comique? Il restait un gars. Et ouais, j'étais un gars, y a pas de diamant par ici, par là. Ah, c'est le survivant. Ah bah voilà, il va cuire. Le survivant va avoir un petit coup de chaud. C'est horrible. C'est horrible. Bon, bah là, je vais prendre... ça m'intéresse, ça. Mais oui que ça m'intéresse. C'est ça qui est beau. Ça aussi d'ailleurs, non? Ah non, j'en ai pas besoin. Me dit le jeu. Y'a quoi dans la glacière? Ah bah y'a rien, ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé, les vilains. Ah plus rien. Ah! Oh merde. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le bois est flamme. Attends. La route est par là-bas normalement. Oui. Oui, 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 oui. Mon truc il est là. Où êtes-vous? Vous êtes ici. Merci. Je veux des médocs, s'il vous plaît. Salut. J'en déduis qu'il te faut plus de médicaments. Il ne reste plus rien, mais je vais t'aider. Je connais quelqu'un qui vit au pied du mont Tabamolesta. C'est à 1,5 km au nord-est de Pala. Tu trouveras sur ta carte. Eh bien, il en déduit bien. Bonjour, Ben Zaiten. J'espère que tu vas bien. Il faut que tu comprennes. Les gens ont su ce que tu avais fait. Et mon ami n'aura pas... Merci infiniment. Et fais attention, le coin est très dangereux. Mais ce bug des persos qui ont la tremblotte, c'est trop étrange sur ce jeu. Il y a du monde ici, oh, bonjour messieurs, dames. Pour une fois qu'on voit des dames, en tenue traditionnelle magnifique, dans des boubous, à des bobos. J'adore la chaise de jardin. C'est bête, mais c'est une chaise de jardin traditionnelle qu'on peut avoir tous de par chez nous. Ça me fait délirer. Alors, il m'a dit... Waouh ! Je vais prendre le bleu, c'est... Oh, oh, oh. C'est à l'autre bout du pays, là.
Il est fou, lui. Il est fou, fou. Direction l'arrêt de bus. Et hop. Donc, c'est par là-bas. Enfin, si je trouve la bonne. Voilà. Hop. Rédumons, machin, chose. Alors, Ben Zaiten, tu dis. Ça va, j'ai regardé la fin de la nouvelle série policière française. Comment dire, j'ai rien compris. Ah. Donc, j'en conclus que les scénaristes français se portent toujours aussi bien. Ça parle mal. Ah là 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 là. Oui, ouais, bonne question, le fait de ne pas avoir trop chaud. C'est bête, mais quand on prend le terme de princesse, Christella, tu me fais penser, je crois qu'il y a un jeu à faire, qui est pas mal, dont j'avais entendu parler il y a longtemps, qui est la grosse princesse, Fat Princess. Il paraît que c'est drôle, c'est original. Merde, c'est la nuit. Oh, la lune est magnifique, mais vous, vous n'y voyez plus rien. Oh merde, il me fout un lit avec le passage de la nuit. Oh merde, il faut que j'aille à une planque. Il faut que j'aille à une planque parce que là vous n'y voyez rien dans le jeu, c'est une catastrophe. Je peux pas faire la mission tant qu'il fait nuit. Attendez, je vais résoudre le problème. Ah merde! Wouh! Putain, les gars, ils m'ont pas vu. Il y a une patrouille juste en face, hein, si vous l'avez pas repéré. Attention, il va y avoir du sport. Merde. Je freine. Je freine. Ah oui, j'allais dire où est la planque. Wow. Alors, gestion de la nuit. Alors, c'est jamais facile de gérer la nuit dans Far Cry. 6h du matin, c'est pas mal. 5h30, ouais, un truc comme ça. Vas-y voir. Normalement, je me réveille à l'aube. La luminosité, elle est... C'est mieux qu'à rien, mais... Ah oui, attends, niveau flotte. Non, Christella, je me permets de répondre à ta question, Ben Zaiten, que tu adresses à Christella. Christella, elle diffuse en semaine. Elle diffuse les lundis, mercredis, vendredis, en général de 16h à 20h, approximativement. Niveau luminosité, c'est pas encore ça. Oh putain, puis il faudrait que je libère un... Il faudrait que je libère un poste de contrôle aussi, donc... Tout est tentant pour moi. Eh, mais je suis pas allé dans le garage.
Ah bah c'est le garage de la misère. Enfin, tu me diras, ça fait baril de flotte. Mais... j'ai un poste à libérer, moi. Merde, attends, c'est quoi cette route? Ils l'ont barré, ces idiots. Je comprends plus. J'arrive même plus à lire la route. C'est un cauchemar. Sur le véhicule en mode snipe et je regarde. Ah, c'est par là-bas qu'il doit y avoir du monde. C'est ça. C'est un peu plus loin. Joue Rambo. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est un panneau. J'ai cru que c'était un mec en fait. Qui était droit comme un i, mais non, non. Je suis pas du tout avec le bon angle de. Le soleil se lève petit à petit, donc c'est pas plus mal. Hop là. Ah, ils sont là, les gars. Oh vache, il y a un hélicoptère qui passe près de chez moi. Ah, le panneau va me faire suer. Hop, lui, il est mort. J'arrive pas à voir si... ah, ça bouge. Merde, loupé. Mais... eh, tu déconnes, j'ai tiré sur le chauffeur. Non, mais c'est abusé le système de visée. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Bonjour Tomouf, excuse-moi, je t'ai pas vu arriver. Bon courage pour ton boulot, Bastos. Merci. Merci tout plein. Bon courage pour ta journée. Bonjour Tomouf, j'espère que tu vas bien. Ouais, mais ça veut pas dire que je puisse revendiquer le... ah si. C'est beau. Revendiquer à distance, c'est la classe quand même. C'est la classe. Attends, je vais réparer la Jeep et puis je vais refaire le plein de munitions comme ils avaient une caisse de munitions. Ça sera toujours ça de prix. Comment ai-je pu revendiquer alors qu'il y avait encore des gardes? C'est trop bizarre. Ah, il y a des mécaniques de jeu, je me souvenais pas. C'est trop étrange. Vraiment. Ah merde alors. Je vais faire cramer.
Ah, je te vois, toi. Oui, reste sur place, t'abruti. Il est en train de bousiller le véhicule, ce Nigo. Voilà. Là, je peux revendiquer. Là. Là, j'ai gagné. Bonjour, Pierre. J'espère que tu vas bien. Oh! Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Moi, je suis sûr, il est mort. Fatigué, je me suis levé à 4h30 du mat. Ah merde. Ouais, la chaleur. Je devine que c'est la chaleur qui t'a... Ah non, mais... Soupir. Soupir, soupir. Ah, le stress. Oh, je vais réussir que je vais parvenir à te détendre, Pierre. Stresser un peu n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de rester alerte, d'avoir la plénitude de ses moyens. Mais trop de stress, c'est très très mauvais. Ah, le soleil. Le soleil vient de se lever. Je crois que j'ai une mission à exécuter. Je vais m'installer au port d'une Jeep et puis me barrer. Oh yeah. Alors, j'ai gagné un poste de contrôle d'armurerie. Enfin, armurerie, non, est un bien grand terme. Une réserve d'armes. Direction le cercle orange. Faire le tour de la grande montagne. C'est beaucoup moins simple cette fois-là. Ah mince. Tu dis hein, si je peux t'aider, Pierre. En quelque chose que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Bon, en premier lieu, tu sais que je peux te conseiller, te guider pour tout ce qui est solutions informatiques. Ah oui, on s'entraide comme on peut. Oh, ils vont m'avoir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais sûr que vous allez m'avoir. Je m'attendais pas à être face à face avec une patrouille mobile. Je suis un imbécile. Ah oui, Jeep, 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 Jeep. Non, c'est par là, oui, là où c'est indiqué en jaune. J'allais prendre la mauvaise route. Là. C'est des arbres. Juste bizarre comme forme. Alors, je vais avoir de la compagnie. Allez, les moustiques. Mais bon, ils sont morts. Je peux passer à autre chose. Visiblement, oui. Hmm.
Effectivement, là, c'est une forteresse, le point de contrôle. Je peux pas y aller au forcing. Je vais devoir les dégommer un à un. Bah, c'est rigolo, on va jouer. On va jouer à la dégommer. Aïe, aïe, aïe. Le rocher me plaît bien. Ce rocher me plaît beaucoup. Et encore, je sais pas s'il est assez. Mais quel con. J'envoie une grenade. Là. Coucou, je suis là. Non, là je vois rien, je suis pas assez proche. Est-ce que je peux tirer de loin, loin, loin pour voir. Ah oui. A l'air de fonctionner pas mal. Sauf que les flammes vont pas m'aider à faire le snipe. Attends, je me mets au niveau du panneau publicitaire. Pourquoi pas? Oh la vache. Ah là, là, ils vont bien flamber les Mickey. Ah, ça détale comme des lapins. Un en moins. Un en moins. Les flammes se sont calmées. Oh, ce rebond. Putain la vache. Il n'y a pas full. Bizarre, mon assaut va être. Ah, d'accord. Ils sont tous bouche bée comme des abattis. Impossible. Envoie-lui des grenades. Laisse tomber, il me s'arrête. Ah, puis c'est une belle type de qualité, lui. Oui, donc ça va. Il y avait pas un snipe au-dessus. Ouais, pas mal essayé, pas mal, mais pas valable. Mais j'avais sauvegardé où? Faudrait pas que oui j'y aille avec à côté de l'arbre en fait. Allez, on va le choper. Oh, tu vas pas te tirer ou alors c'est moi qui te tire dessus. Allez, je prétends réussir comme ça. Ah, il a réussi à me rouler dessus le salopard.
Auprès de mon arbre, je survivais heureux. Mais qui sont ces types? Je crois que les ténèbres. Boum. Oh, c'est scandaleux comment je me suis fait liquider. Bouh. Je dis bouh. Il doit être par là. Dispersez-vous. Moi, je sais pas. Mais non, mais. Ah bah, je peux aller mourir. Alors là, pour le coup, l'arbre s'est retourné contre moi et je pensais pas que ma grenade allait pas pouvoir. Aïe 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 aïe. On dirait que la chose se passe pas très bien. Je peux remonter sur quelqu'un attaque. Wow. Il y en a un qui a sorti l'artillerie lourde. Ah, qui c'est qui m'a mis? Ah oui, bah oui, forcément. Forcément qui m'a allumé. Merde. Je peux pas bouger. Ça va aller, ça. Il n'y a pas d'explosif derrière lui? Non. Magnifique. Merde, je l'ai loupé. Ah, je l'ai eu. Bah, je crois que j'ai gagné. Non? Je pense que j'ai gagné. Pourquoi? Ah oui, je me disais, il me faisait une proposition de ramassage d'un truc. Je comprenais plus. Diamant ici, que puique, hein. Ouais, c'est pas la première fois que je viens ici. C'est pas la première fois. Est-ce que j'avais cartographié? Mais oui, j'avais cartographié. Ouais, ouais, j'avais le... Si vous avez une trousse à pharmacie, je dirais pas non. Ah bah voilà. Je suis pleinement exaucé. Bah j'ai refait le plein, mais que demande le peuple? C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Alors, mission. Est-ce que je prends une bagnole? Ah, je vais prendre leur belle Jeep ou la... celle équipée. Ouais, je vais prendre celle équipée d'un pistolet mitrailleur. C'est toujours un avantage stratégique. C'est pas un siège matelassé qui va me faire remporter la guerre. Attends, j'ai combien? Ouais, j'en ai une autre de munition. Je vais tirer par là-bas parce que ça peut être intéressant. Ah, ils sont contre la paroi du bâtiment. Ah non. J'ai confondu. Je sais pas quoi. J'ai confondu des objets avec des mecs. Elle est bonne. Bon, bah c'est du tout cuit, ils sont en train de rôtir. C'est atroce, mais ma technique est très efficace. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vois un cadavre. Il y a un mec qui parlait, donc il y a un survivant. Bizarre. Il est où le loustique? C'est pas bon. On devrait peut-être se joindre à eux.
Je sais pas. Tu crois? Bah, je sais pas, mec. Faudrait quitter notre poste. Bah, restons ici et restons concentrés. Ah, d'accord, le plan, mec. Hop, le gage, je l'ai eu. Il bavardait avec un compère, donc il y a bien un deuxième mec. C'est quoi ça? Ah, c'est un zèbre. Le zèbre qui m'a fait tiquer. S'explique. Mais non, mais je veux pas changer de flingue, abruti. Je voulais les munitions, moi, merdoum. Ah, du danger d'avoir plusieurs objets superposés. Et en fait, voilà, mon rendez-vous est dans cette baraque. T'es sans doute occupé de ces saletés. On va pas perdre de temps, je vois que t'as les visas. La famille qui est ici te les échangera volontiers contre des médicaments. Ils sont derrière. J'ai entendu parler de vous. J'ai des médicaments pour vous. Mais d'abord, j'ai besoin des passeports que vous avez pour ma famille, sans vous offenser. Mais tu ne m'offenses pas du tout, mon garçon. Vous savez, Dieu voit tout. Encore une petite danse? Non? Bon. Merci, vraiment. Oh, ce bug. Alors, le bar des mercenaires, pas là, la capitale, une nouvelle fois. J'aurais pas. Puis là, visiblement, j'ai tout déverrouillé dans la zone. C'est cool. Mais. Oh, m'improviser une petite chasse au diamant me démange. Ils disent quoi? Ouais, se rendre là où une mission est possible. Bon, bah, quartier libre. Je vais repartir avec leur camion, là. Si on allait un peu à la chasse au diamant... Oh, 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 c'est quoi cette sortie de garage? Oh, c'est pour... je me fais allumer déjà. Ah oui, j'ai... Ah d'accord, j'ai un mec qui me poursuit. Oui, oui, messieurs, je suis là. J'irais bien vérifier ce qui a été amélioré dans les plantes là. Je sais plus, il me disait quelque chose tout à l'heure. Non, je vais laisser le camion sur la route. Mais non, mais je voulais courir, pas lancer un molotov, c'est débile. Oh, cette vue!
Shibo. Quoi? J'entends un mec. Ah ne me dis pas que la planque était pas déverrouillée. Oh! Bah! Alors, ça, pour une surprise, c'en est une. Bah alors? Ah, j'en reviens pas. Bon, bah ok. Je serais pas venu pour rien. Le la Jeep sera plus facile que le camion parce que. Autant le camion est solide, mais. La Jeep, je pourrais me faufiler dans les interstices, dans les ponts, les obstacles pour échapper à mes poursuivants. Oh, c'est pour rien. Oh, je suis là. Ouch! Bah alors. Ah oui, alors là, il y a du monde. D'ailleurs, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de diamant. Ah, j'ai vu un gars, là. Ah. Il est midi, je vous souhaite bon appétit. Et je vais pas tarder à rendre mon antenne pour Miami. Du coup, on se retrouvera un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Ce sera pas plus mal. Ah, j'ai vu quelque chose bouger. Je savais que c'était un gros réservoir de je sais pas quoi. Ah, il y a une bagnole en panique. Ou alors ils ont curé la fuite, je sais pas. Ah non, pas du tout. Merde, j'ai loupé. Ah, déjà, il a perdu son... Magnifique. Oh, allez, c'est cadeau. Ah, le Baron Live, bonjour, comment ça va? Bonjour, Aeroster. Waouh, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de passer, ça fait zizir, comme d'habitude. Ouais, c'est bien un poste de contrôle. Bon, je pense que j'y ai fait suffisamment de ménage et que je vais pouvoir récolter des munitions. Je sais pas si j'aurai droit à un comité d'accueil. Visiblement non. Oh. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est un mec. Coucou! Où tu vas avoir chaud? Ah, quelle horreur! Quelle horreur, je l'ai rôti. Oh, un buggy! Un buggy de l'amour, un buggy de l'envie. Ah, le problème, c'est que j'ai rien à faire là-bas, moi. Oh, je veux chasser le diamant, moi. Je veux récolter tout plein de diamants. Il n'y a pas des diamants par là-bas? Je suis surpris qu'il n'y ait personne sur ce poste. Ça m'intrigue. Oh, moi, je veux bien, merci. Bah, je commence à souffrir de la chaleur, mais bon.
là. Il bouge plus. Couvrez-moi. Il ne bouge plus. Couvrez-moi. Merde. Je peux pas bouger. Ça va aller, t'inquiète pas. Où est le tout vive? Merde, vite de son sang. Couvrez-moi. Vite, Doc. Il va vraiment pas bien. Merde. Là-bas, vu comme ça, c'est facile. Mais sérieusement, je peux pas... Non ? Je peux pas enregistrer la boîte de munitions ? Ou alors je l'ai déjà. Ah, je l'ai déjà. Voilà pourquoi. Ah, la pluie est arrivée chez toi, Hurster, dans le Loir-et-Cher. Il me tire dessus, le vilain. Je vais les achever à la machette. Coucou. Ah, il y a du monde là-bas. Je t'ai vu. Faut que je fasse gaffe. Oh, 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 ça bouge. J'en vois qui détalent comme des lapins. Merde, j'ai plus de... Ah, oh, j'aimerais bien avoir des missions de... Ce serait rigolo. Non, c'est pas les bonnes. Les autres, ils sont morts? Ah non. Ils sont deux à agoniser. C'est horrible. Allez, un en moins et deux en moins. Voilà, on n'en parle plus. Ah, j'aimerais bien avoir mes lance-fusées histoire de foutre le feu à l'installation. Ça me plairait tellement. Ouais, sauf que c'est pas les bonnes munitions. C'est dommage. C'est dommage. Un petit tonneau d'explosifs qui me permettrait d'allumer tout l'ensemble. Allez, je dois bien avoir ça dans le viseur en cherchant bien, non? Pas évident du tout. Je suis tristesse. Appa, sniff. Sniff, sniff, sniff. Y a pas de diamant non plus. Alors, comme le rythme de jeu est pas intense, moi je vais m'arrêter là, surtout que j'ai faim, hein. Je vous rappelle que j'ai pas pris de petit déj, ce qui n'est pas bien. Et avec un peu de chance, on se retrouvera peu après 13h où je reprendrai mon antenne. Et puis voilà, voilà, je sais pas ce que je ferai tout à l'heure à ma reprise, hein. Peut-être du Sonic CD, peut-être. Je verrai en fonction de mes envies. Allez, je vais sauvegarder là. Je vais faire un relais de chaîne à quelqu'un. Merci, bon app à vous aussi. Merci, Nayonet. Hop là. Faudra que je vois dans le répertoire du jeu si je peux pas manuellement, là, tout à l'heure, virer des sauvegardes. Parce que j'en ai trop. J'en ai cumulé alors que je voulais en écraser pour la plupart, mais j'ai merdé ma manip, en fait. Ah là 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 là, et ben merci à vous d'avoir été là les copains. Allez zou, que je lance mon navigateur, que je m'amuse à regarder qui je peux mettre en lumière. Je sais pas si Benzainten est encore là, mais je peux remettre ta description de chaîne Christella à destination en partie de Benzainten, voilà. Au moins j'ai ton intitulé de chaîne. Alors, observons. Qui c'est que je peux. Hop là. Oh, j'ai pas grand monde.
Alors, c'est bien que tu fasses, tu mettes en valeur les autres Aeroster, parce que je vais aller le voir. Je suis jamais allé sur sa chaîne. On va aller voir Fulco. Comme je sais qu'il est dans ton giron, je risque pas grand-chose. Et je vais dédier mon relais de chaîne à Fulco le temps de déjeuner. Ça me permettra de faire sa connaissance. Attends, je mets un petit peu son, que je l'écoute, que je le découvre. Ah, il fait du Dark Souls Remaster. Bougez pas. Fulco F2O LCO. Alors attendez que j'arrive à programmer mon raid. Bah c'est bien, je suivrai en même temps. Puis il va me dire je peux pas faire de relais de chaîne sur une chaîne que je ne suis pas. Voilà, c'est ça. Alors je vais dire bonjour Fulco. Je vais le suivre. Bonjour Fulco. Attends, j'arrive avec pour la pause déjeuner. Bouge pas. Hop. Merde. Ah, il faut. Ouais, les lives toujours chai, donc j'en doute pas. Les paramètres de raid de Fulco vous permettent pas de lancer un raid. Ah, bah. Ah mince! Raid interdit. Oh! Bah écoutez, moi je vous mets ça dans le chat, mais. Oui, j'ai l'impression qu'il a désactivé les raids. Donc, je peux le mettre en valeur comme ça. Je peux mettre. Voilà, je peux mettre le lien. Écoutez, je vais couper de manière brute parce que. Attends, je vais essayer de ruser avec mon autre. Est-ce que je peux faire comme ça? Nous ne sommes pas en mesure de lancer un raid sur Fulco pour le moment. Ou alors j'ai un bug de Twitch qui déraille, je suis désolé. Bah, je vais couper là et puis je vais me faire une joie de découvrir Fulco. Moi, je vous remercie. Je regarde rapidement vos messages. Oui, vous me donnez le feu vert, comme quoi je peux faire relais. Mais vous voyez, par deux fois, j'ai... Non, mais c'est pas grave. Par deux fois, j'ai essayé de faire relais de chaîne et Twitch m'a dit non. Bon, bah tant pis. Je vais couper mon enregistrement là, mon direct. Moi, je vous dis à tout à l'heure, je vais miamer bonne app, et puis je reviendrai entre 13h et 13h30. À tout à l'heure, les copains. Merci. Prenez soin de vous, bisous.